Salut YouTube, salut Twitch, re pour Twitch, salut YouTube. Pour ceux qui prennent la carrière en cours, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Le lien Twitch est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde, encore toujours plus de monde sur Twitch. C'est très bien. Là, on vit une fin de saison à très très haute tension. Vous allez voir ça. Le championnat, j'ai mis d'ailleurs en titre sur Twitch. Est-ce que c'est notre dernier gros point à Sao Paulo? Le championnat est plus serré que jamais là en termes de troisième place. Ferrari qui fait la remontada, ils ont pris 24 points au dernier Grand Prix. Surtout Charles Leclerc qui a pris des gros points avec sa Ferrari inarrêtable en cette fin de saison. Red Bull toujours présent, heureusement, ils prennent les gros points qu'il faut. Alpine, qu'est-ce que ça dit? Ils ont pris plus de points que nous. Eux, ils sont clairement irrécupérables. Ils vont faire deuxième, c'est clair et net. Bon, Red Bull, ça, on le voit aussi, ils sont 770 points. À mon avis, ça va être à peu près pareil cette année. C'est bien parti. Peut-être même plus encore qu'il va faire Max et Perez s'il suit la cadence. On verra dans la vraie vie, je parle là pour le coup. Alors, Ferrari, ils sont à exactement 49 points de nous et il reste 3 Grands Prix. Si on se maintient comme ça passera. Aston ne prend plus de points. Aston, ils sont à la rue, mais ils ne sont pas les seuls. Si on analyse notre voiture, on voit qu'on commence à être gentiment à la ramasse en virage, tout ce qui est virage, malheureusement. On commence à perdre des plumes, comme on dit, en cette fin de saison, vu qu'on a arrêté nos conceptions il y a déjà un moment. Il y a déjà un bon moment qu'on n'a pas fait de conception, donc les autres, ils continuent, à mon avis, ils continuent, ils continuent. Finalement, ils nous dépassent petit à petit, ils nous grattent des places, ils nous grattent des performances de voiture, quoi. Il faut sur le circuit, préparation de course. Oui, on va être tout de suite à Sao Paulo. Là, il y a quelques millions à rafler, là, tout de suite. Si on met un pilote dans le top 10, on gagne 1 million. Ce serait bien de les prendre, clairement. Tour le plus rapide, non, ça, on ne va pas le prendre. Position qualifiée, qu'est-ce qu'il nous demande? Un pilote top 8. Restons un peu logiques avec ça, on va mettre un pilote dans le Q3 et les deux en Q2. On y croit encore pour Sao Paulo, même si on n'a pas forcément la meilleure voiture. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? Faible vitesse, c'est crucial pour le circuit. Oh, et là, le jour de la course, je ne sais pas pourquoi c'est buggé, mais on est redescendu bien bas, mais c'est pas juste ça, je crois. Vitesse moyenne aussi, on est bien bas. Par contre, accélération et DRS, on est bon. On n'est peut-être pas si mal pour le circuit finalement à voir en course. Est-ce que j'ai sauvegardé avec tout ça? Je ne sais plus. On n'est pas à une sauvegarde près, j'ai envie de dire. Vu que le jeu crache souvent, je le rappelle, autant faire un max de sauvegarde quand on a fait des choses supplémentaires dans sa carrière. Petit conseil que je vous donne si vous jouez actuellement à F1 Manager 23. Ok, c'est le Grand Prix de Sao Paulo. Oui, il allait parler de Max certainement ou Sainz, je ne sais plus lequel des deux a gagné le dernier Grand Prix, mais bref, c'était pas nous. Plus légère peut-être au qualif, attention, c'est un sprint. On ne fait donc pas courir le pilote d'essai, je vous le rappelle, quand il y a des sprints. Petit conseil d'amis, si vous voulez monter un peu votre connaissance du circuit sur vos deux pilotes. Voilà. Alors, le RS là, on va mettre les pièces cramées là, clairement, pour finir là. Maximum la saison comme ça. On va essayer de pas racheter de pièces supplémentaires, quoi qu'il faudra certainement un moteur à Georges là, clairement bientôt, peut-être après ce Grand Prix-ci, on verra bien. Certainement, même je sais déjà plus ce que ça dit son moteur, mais je crois qu'il est pas du tout au top. Par contre, les boîtes de vitesse là, on en a autant qu'on veut, j'ai envie de dire, sur Lando. Tant mieux. On va faire les configs voiture tout de go. Sao Paulo 7, 13, 2, 8, très bien, 7. 13, 2, 8, c'est par là. 3,40 et 0,55. Très bien. 55, c'est par là. Ça, c'est fait. Configuration pour Norris, Sao Paulo 8, 12,5, 1,9. 8, 12,5, c'était bon. 1,9, c'est par là. Et 3,40 et 0,65. Très bien. Voilà, on y est. On va voir ce que ça donne. Si c'est toujours valable cette année, c'était quasiment parfait, voire parfait l'année passée. À voir si ça tourne encore bien, mais normalement non, on a dû perdre un peu. Ouais, ça a changé par rapport à l'année passée. Alors c'est mes ingénieurs qui ont bidouillé là pendant que je simulais les essais. On est pas mal là pour les qualifs. D'ailleurs, oui, il faut pas oublier que c'est les qualifs tout de suite. Ce qui veut dire recharger à nouveau les pièces moteurs. On joue un peu avec ça comme on peut, avec les moyens qu'on a, j'ai envie de dire. Alors, moteur ici, ouais. Est-ce qu'il peut finir la saison Russell? C'est quand même chaud. Le RS, oui, c'est notre troisième, on l'a racheté. La boîte de vitesse, j'ai bien envie qu'elle tienne la saison pour nos finances, ça aiderait. À voir si on prend des points ici, peut-être avec Lando et son moteur à 82%.
Ça peut le faire en vrai, ça peut le faire pour Lando. Le reste est encore correct. Bonne boîte de vitesse aussi, heureusement, parce que c'est la cinquième, j'ai envie de dire. Ici, on va quand même essayer d'améliorer tout ça. Simplement en mettant les virages, on va s'inspirer de la voiture 2. Ah, ben c'était 3,40. On va les mettre par là, du coup. Vous savez quoi? On va les mettre par là. Genre ici, ça il faut le ramener là, du coup. Voilà, là on est bon. On est tout bon, peut-être. Faudra encore ramener ça, cran par là, même deux crans, tiens. Et ça à fond, du coup, ici, ouais, ça me semble pas dégueu. Comme ça me semble pas dégueu. J'espère que je pars des bons côtés. C'était peut-être tout l'inverse qu'il fallait faire. On verra ça, 89%. On n'est pas tout à fait en optimal là-haut. Là, c'est mieux. Peut-être comme ceci, ouais, ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant du tout. Pour la voiture de George, je vais en faire celle de Norris. Qu'est-ce qu'il faut changer là? Point, point, point. Gauche ou droite? On va faire comme dans Super Mario. Gauche. Ici droite. Et ici gauche. Voilà, allons à gauche, je vous le dis. Comme dans Super Mario. On va bouger encore un cran, ça. Tiens, pour essayer de gratter 5%, ça me semble pas déconnant. On va sauvegarder avant les qualifs, du moins. On est parti. Voilà, une petite sauvegarde là, tout de suite. On est bon. Sao Paulo, gestion QA. C'est parti avant le sprint. Retanki Ghost sur le live. N'hésite pas à commenter ce que tu vois à l'écran. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, voir si je fais bien les choses ou pas, selon vous par exemple, ou ce genre de choses. Voilà. Alors, on n'a pas pris le contrôle de Russell, on peut toujours le prendre. Là, il sort seulement des stands. On va essayer tout de suite. Est-ce qu'il y aura de la pluie là? Qui sortent tous? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Oui, à mon avis, oui, s'ils sortent tous, j'ai déjà oublié, mais je crois qu'il y aura de la pluie. Regardez, oui, de la pluie à la fin. Ok, on va essayer de faire un bon chrono tout de suite. Ça ne va pas être pris dans le trafic quand même. Norris est sorti aussi. Okay, on va être pris dans le trafic avec Russell à tous les coups. Ok, on va prendre le contrôle de Norris déjà. Norris, ça ira mieux certainement pour le trafic. J'espère pas avoir fait de boulette là dans ces Q avec Russell. Il est au bon endroit là pour commencer à pousser. Clairement, pousser, déployer, c'est parti. Faut surveiller Norris. Ok, il faudrait qu'il passe le clair. Voilà, c'est fait. Par contre, il va être pris dans le trafic là sur la ligne d'arrivée. Russell ne sera peut-être pas gêné. Tsunoda est quand même loin. Norris fonce comme un sauvage. Ok, il est pris dans le, ouais, un peu dans le trafic aussi là, vite fait. J'espère qu'il n'est pas gêné par Richard Verscourt, ça va, il le dépasse. J'espère faire un bon chrono là tout de suite. Russell a fini. Évidemment, premier, oui, ça va. Tsunoda ne l'a pas gêné. Conserver ici tout ça. Voilà. Et Norris, est-ce qu'il arrive à talonner Gasly? Ça va, c'est correct pour des QA. On n'a pas besoin de sortir là avec la pluie qui s'annonce. En plus, ça va le faire, on y croit. Quoique Norris, attention quand même. On va peut-être le faire ressortir. C'est quand la pluie, c'est pas tout de suite. Reconfigurer, tant pis. C'est un sprint, il faudra certainement mettre des softs. Après, c'est que des QA. On va mettre ces pneus-là du coup sur Lando. On va attendre que ça reconfigure. On a un peu de temps avant la pluie. On va ressortir tout de suite, tout de suite. Vas-y, ressort mon champion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont ressortir pour nous gêner, refaire un temps avant la pluie? Ça m'étonnerait, il reste que 5 minutes. Il Norris, j'ai un peu peur quand même. On va voir quand même s'il arrive à faire mieux. Il a un bon moteur, il peut faire clairement mieux. On va le mettre en x4 là. Prendre le contrôle, ça y est. J'espère qu'il ne ressorte pas devant nous là, clairement les autres. Le reste, c'est complètement rechargé. Parfait, j'ai envie de dire. Mais avançons, avançons. Attention, faut pas. Ah, il ressort, zut, ils ressortent tous. Non, ils ne ressortent pas là. Si, ça ressort pour Perez. Pour sortir avant les autres là, avant qu'ils fassent leur boucle là dans la voie des stones. Gasly va nous gêner, Leclerc aussi. On est déjà dans notre tour lancé. Là, Stroll et Gasly vont nous gêner. Ça y est, ils nous gênent là, clairement. Gasly peut-être dans les tournants. Normalement, il nous laisse passer, j'espère. On va se remettre en conserver ici tout de suite dès qu'on a passé la ligne. On améliore quand même, ça va en fait deuxième. C'est très correct, récupération ici, on est tout bon. Correct de Norris, parfait. Ils ont été corrects aussi. Les autres, ils nous ont laissé passer. On peut simplement rentrer au pit là. Voilà qui est fait gentiment. Oui, c'est bon. Maintenant, x16 là tout de suite. Oui, Williams, peut-être. Oui, comme je te disais, Alfa Romeo, même AlphaTauri. Je crois qu'ils sont assez en galère en début de jeu là, en début de partie. Là, ils vont ressortir comme des abrutis alors qu'il pleut. Allez voir qu'ils vont ressortir, ils vont essayer d'améliorer. Non, ils sont malins pour une fois, ils ne ressortent pas. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Il y a de la pluie jusqu'au bout.
sont un peu plus malins qu'avant quand même dans cette version. Ah non, ils ne ressortent pas, ils ont compris. Ils ont déjà fait leurs deux meilleurs chronos. On fait très très bien la Magnussen, tiens, en gros, peut-être des Aston, les Ferrari un peu en peine apparemment. Plus qu'au dernier Grand Prix, tant mieux, j'espère ici qu'on aura plus de points. On est bien parti vu les qualifs, comment elles se passent là. N'oublions pas que c'est un sprint, ça fait encore d'autres points à ramasser. Les configs sont pas mauvaises. J'espère que vous avez pris vos screenshots là juste avant. On va sauvegarder ici à nouveau en cas de crash du jeu, évidemment, comme toujours. On est reparti. Question Q2, c'est parti. Russell, oui, vas-y, mon ami. Et Norris dans la foulée, voilà. Est-ce qu'il y aura de la pluie? Oui, dans 5 minutes. Et jusqu'au bout, on est peut-être sorti à poil tôt sur Russell, on risque d'être gêné. Quoique, il y a moins de trafic qu'avant, là, normalement. Il y a moins de voitures, ils vont tous sortir, normalement, on va quand même prendre le contrôle. J'espère pas être gêné, parce que là, clairement, on n'aura qu'une chance. Russell, c'est bon. Norris. Hop, prendre le contrôle, neutre ici. Full attaque là, attention, ils vont tous sortir, ils vont gêner Russell à tous les coups. Zut, et zut, et zut. D'ailleurs, là, faut pousser sur Russell là tout de suite. Ah non, on était déjà en poussée, on était déjà en full poussif. Là, j'ai fait une grosse boulette, grosse, grosse boulette sur Russell, malheureusement. On va essayer de pas faire la même sur Norris. J'espère qu'il aura assez de RS du coup, Russell, pour deux tours du coup, lancé à fond. Normalement, il va quand même recharger dans les freinages. J'espère qu'il va pas être gêné là simplement. Ça m'a l'air bien parti, peut-être tout juste. Ouais, Leclerc et Perez là, attention. Attention à vous les gars. Non, ça va, ils vont pas gêner, ils vont lancer leur tour aussi. J'espère que Russell arrive à rentrer au stone. Ça a l'air d'aller premier. Je crois pas qu'ils ont gêné là, honnêtement, il y a de la place sur cette grande ligne droite. Attention là qu'il faut quand même rentrer au stone là. Norris, il fait encore mieux. Ah oui, Russell, il a raté malheureusement. Russell, il a tout raté. Les pneus sont très chauds sur Russell, on pourra pas ressortir, c'est raté, je pense, pour Russell là, clairement. À moins que. Non, il dégringole. Malheureusement, Norris premier, Russell dans les derniers. On pourra pas faire mieux. Il y a la pluie, malheureusement. Tant pis, on va rester comme ça. Bon, j'ai fait la boulette, j'ai fait la boulette, j'assume. Autant c'était réussi sur Norris, autant c'est raté sur Russell. Est-ce qu'ils ont tous des haltères? Oui, ils essayent d'améliorer avec des haltères. Ils sont motivés. Bon, les gars, c'est Norris qui va faire bon là. Et Russell, faut aller. Plus Ferrari éliminé. Ça, c'est très très bon pour notre classement constructeur. Très 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 bon. Est-ce que c'est Russell qui les a gênés? Ce serait pas mal quand même. Ça, c'est parfait pour le classement constructeur. Là, par contre, c'est les Aston Martin tout à coup qui me refont un peu peur. Mais ils ont un peu plus de retard, eux, je crois. Ok, checkered flag. Checkered flag, drapeau à damier en français. Éliminer Russell, oui, on l'a vu par Russell. Pluie légère ici, on va remettre des softs neufs. Je sais pas s'il y aura encore de la pluie du coup. On va sauvegarder ici, tiens. Et on va reprendre ici, c'est parti, gestion Q3. On va essayer de faire aussi bien qu'avant. Être premier, ce serait parfait. On va le renvoyer tout de suite du coup. Et on va le mettre en x4. À nouveau de la pluie dans 4 minutes. Est-ce que ce sera jusqu'au bout aussi? Ok. Voilà, on peut prendre le contrôle, c'est ce que j'attendais. Attention à ne pas être gêné aussi, mon ami là. Mon ami Norris. Et Norris, qu'est-ce que ça donne? Et on va pousser ici, il ne sera pas gêné. Normalement, ils sont tous déjà loin, j'espère. Plus personne ne va sortir là, normalement. Non, ça va, on a pas mal d'avance là. Ça va le faire, on y croit. Allez, il faut faire un bon chrono, monsieur Norris. Donnez le meilleur avec votre tracé nouveau moteur là. Dommage pour Russell là pour le coup malheureusement. Et Norris fait un bon chrono. Voilà, c'est fait. On peut se mettre en conserver, récup au cas où. Mais ça m'étonnerait qu'on ressorte. Ouais, il y a de la pluie jusqu'au bout. On va pas ressortir. On a l'air de faire un très très gros chrono. Verstappen et Sainz font moins bien. Attention aux Aston Martin là, clairement. Elles ont l'air d'avoir step up là dernièrement, ou en tout cas elles ont l'air d'avoir les bonnes voitures pour ce circuit-ci en tout cas. Là, ils vont ressortir comme des dédés. Les voici, les voilà, les champions sous la pluie. Venez cracher vos voitures, faites seulement ça, j'ai envie de dire. Ce serait tout bon pour moi. Ils ne vont pas passer Norris, clairement. Vous ne passerez pas.
Ils vont pas ressortir là, ils ont plus le temps. Bottas fait un tour. Est-ce qu'il améliore? Non, il rentre au garage là, je crois. Ouais. Huitième pour Bottas. Les Alpines dans le dur, tiens, intéressant aussi. Décidément, les Aston très en forme. Les Mercedes aussi, en cette fin de saison, il y a des pénalités de grille, intéressant. Je pense pas qu'on part. Ah oui, ça c'est les essais, pardon. C'est-à-dire, je pense pas qu'on parte en médium, mais c'est d'abord les essais numéro 2. Et le moteur, est-ce que le moteur de Russell ira au bout de l'année? Ça m'aiderait beaucoup pour les finances. Quitte à pas faire des grosses perfs là en fin d'année. D'ailleurs, on va mettre cette boîte là, tant qu'à faire des économies. Le reste peut clairement aller au bout pour Russell et lui. Le moteur ira au bout. Le RS, il faudra qu'il aille au bout. Ça coûte trop cher. Le moteur, oui, aussi. De toute façon, il est très bon lui encore. On va essayer d'aller au bout avec ces pièces-là, je vous le dis tout de suite. Quitte à ne ramasser des points quasiment que sur Norris. Là, c'est les essais 2. On peut plus bidouiller rien, donc ça sert vraiment à rien de les faire en normal. Simuler, du coup. Ok, continuer. George Russell, Lando Norris. On va voir les performances, là. Ça va monter un peu quand même. Oui, c'est pas mal. Avec les connaissances du circuit, pas au top, mais quand même pas dégueu. Ça monte un peu, tant mieux. Alors ici, passer, on va faire le sprint ensemble. Ça y est, c'est le sprint. Désolé, encore une fois, on doit recharger les blocs moteurs. Ça prend toujours un peu de temps, ça. Le reste, là, il ira au bout. Le bloc moteur, ouais, il faudra bien qu'il aille au bout, j'ai envie de dire. Là, c'est un peu notre dernière chance, je pense, avant que notre voiture soit complètement larguée. Qu'est-ce que j'ai fait là? De prendre des gros points, à mon avis, si vous voulez mon avis, sur la fête de saison là. Parce que là, notre voiture, elle va souffrir en termes de développement. Pour les deux derniers Grands Prix, on n'est pas prêt de gagner Las Vegas et Abu Dhabi, je vous le dis moi. Ça va être compliqué, à moins de certains événements de course. Les softs, ils tiennent tout juste, mais je crois que les autres, ils mettent des softs ici, à ce Grand Prix. Ça tient tout juste, tout juste. On va les faire tenir. Il y aura peut-être une safety ou l'autre. J'espère pas contre nous, la safety. J'espère vraiment pas contre nous. Alors, pilote, hop, hop. Et hop, et hop. Voilà, on a tout fait, je crois. Le parquet est fermé. C'est les bons blocs moteurs. Oui, ça m'en a tout l'air. On va sauvegarder ici à nouveau. J'espère pas avoir fait une boulette, là, pour le coup, avec... Avec simplement quoi, avec qu'est-ce que je voulais dire? Avec les pneus, on va voir ce que mettent les autres du coup. Désolé, je fatigue un peu, je joue un peu trop. Ils sont en certains médium. C'est nous en soft, ils sont tous en médium. Il y a peut-être un coup à jouer avec ça du coup. Attention en fait, course quand même. Avec ça, est-ce qu'on peut lâcher tout le monde d'entrée avec Norris du coup, avec nos softs? On va essayer, on va même pousser sur l'essence. On va se mettre, on n'oublie pas le battle assist lui aussi. Peut-être qu'il pourrait se mettre en dépassement fort, l'ami Georges, avec ses softs là en plus. Regardez ce que fait Norris là tout de suite, quoique Russell, il y a du dépassement en jeu. Ils sont tous en médium, il faudrait essayer de retenir qu'ici, à Sao Paulo, c'est des médiums qu'on met Benito et pas des softs. Ça va être compliqué là tout de suite, la course en soft du coup. En plus, on crame un jeu en plus pour la course, on aura un jeu de moins du coup. Attention à ça, vas-y Russell, passe-nous tout ce petit monde, on va quand même mettre en x2. Après il faut encore faire la course, donc on n'a pas envie que la vidéo dure 2 heures, ça va là, on est qu'à 18 minutes, on est bien dans les temps. On peut regarder un peu Russell avec ses softs, il galère, j'ai l'impression, les pneus vont être chauds gentiment. Et Norris ne creuse pas l'écart, ça va être compliqué la fête course clairement pour Norris, autant les économiser déjà maintenant, ses pneus. Russell peut-être agressif, ouais, ils vont tenir tout juste, j'espère qu'on va pas perdre trop de temps à la fin, que leurs médiums seront moins usés, d'ailleurs on va arrêter de pousser là, ça m'a l'air peine perdue pour George, il n'arrive pas à passer, on a mis un dépassement fort, j'ai envie de mettre en x4 là parce que clairement, j'ai l'impression qu'on va perdre un temps fou, Norris n'a pas pu, ah si on a quand même lâché quasiment Sainz. Est-ce qu'on pourrait lâcher Sainz? Non, ça m'a l'air compliqué. On va se mettre en récup. On va prévoir le coup pour plus tard. Russell, vas-y, tu peux peut-être pousser aussi sur ton essence. Là, tout de suite, 10e pour Russell au moins. Il est dans les points pour le Grand Prix du moins. Même si là, il n'est pas dans les points. Ici, on va se mettre en top-up. Quoique, on va rester en neutre tout du long. Je vois pas quoi faire de mieux là. Avec nos softs. Malheureusement, c'est compliqué là tout de suite. La course qui s'annonce compliquée. Norris, on va lui garder de l'ORS pour plus tard. Voilà, il a rechargé. Il risque pas de le passer si facilement au début, en tout cas, tant que les softs sont bons.
Mais 3 fois 8, je dis ça, il va se faire passer. Ça y est, il s'est fait passer. On peut donc le mettre en neutre. Ici, on va quand même se calmer sur l'essence. Faut quand même tenir 24 tours en tout. Le seul à passer Bottas, parfait. Il faudra aller rechercher Gasly maintenant. On donne le rythme. Tout le monde tient le DRS là, bizarrement. Est-ce que ça va rester le cas? Magnussen et Stroll qui marquent des gros gros points. Attention pour Aston Martin. Là aussi, on va gentiment se calmer sur l'essence, sur Russell. Il y a toujours un dépassement fort. Attention que c'est Gasly devant lui. On va peut-être l'enlever. Moyenne. Comment vont mes pneus? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont tes pneus? Ils sont à peine chauds. Ça va, je ne mettrai pas ma main dessus, mais ils sont vraiment à peine chauds. On ne peut rien faire avec Russell là, si ce n'est voir les autres s'enfuir devant. Norris non plus, ça va être compliqué. Est-ce que Russell peut revenir là? Ça me semble compliqué aussi. Norris, heureusement qu'il était leader là en pole position, sinon ça aurait été aussi compliqué. Allez, Russell, il faut revenir là. Tant pis, on va un peu cramer les pneus à un moment ou l'autre, un petit peu quand même, pour essayer de revenir dans le rythme. Ça a l'air d'aller, il a l'air de faire l'effort. Ce serait bien qu'il revienne dans le DRS. Non, c'est Albon qui va finir l'effort. On le repasse. On peut le repasser à nouveau, l'ami Albon. Attention au pneu quand même, là, on peut pas trop pousser. C'est bon, il a l'air dans le rythme. Quoique, c'est Albon qui est plutôt revenu devant, en fait. Ok, pas de soucis. Norris perd des places à vue d'œil. Comment vont leurs pneus? Ça va, on les tient quasiment autant qu'eux. Jusque-là, ça passe en se restant standard. Norris a beaucoup trop de RS. Est-ce qu'il faudrait pas pousser là avant de perdre trop la seconde, justement? Je crois que oui, les pneus, on peut peut-être un peu pousser aussi. Il faudrait revenir sur Magnussen qui a perdu la seconde. Ça y est, on est revenu dessus. On va se remettre en neutre. Ah non, Sainz nous dépasse malheureusement assez facilement. Les Aston bien partis pour un doublé. Russell perd des places. Il perd même le DRS. C'est compliqué là avec nos softs, clairement. Même Tsunoda nous dépasse. C'est vraiment compliqué. Ça va être très compliqué cette course, je vous le dis. On ne peut rien faire là, clairement. Les softs qui vont souffrir. Norris qui va chuter au classement à tous les coups. Ouais, ça y est, il chute, il tient pas le rythme. Le pauvre Norris, on va le mettre en déploiement. Ocon a perdu la seconde, on va essayer d'en profiter, nous, pour tenir la seconde devant le plus longtemps possible. Russell, c'est compliqué aussi, c'est très compliqué. Il reste beaucoup de tours, les pneus déjà en galère. On n'a pas dû pousser dessus du tout. Là, oh là là, pourquoi j'ai mis des softs? Benito, Benito. Et là, on ne peut rien faire, plus de RS, malheureusement, là non plus. On doit les tenir simplement. Ces pneus, Piastri est lâché, ça c'est très bien. Derrière, Norris, ça fait une cinquième place. Allez, les Red Bull, là j'ai envie de dire. Montrez-leur qui sont les boss. Laissez pas les Aston prendre des gros points comme ça, même si c'est que le sprint. Et là, ça va le faire. Trois tours restants, on va rester au standard. Ocon a l'air loin, tant mieux. Magnussen a perdu une place encore, tant mieux aussi. Sainz ne reviendra pas malheureusement sur Stroll qui va ramasser un max de points. C'est Russell qui fait vraiment la mauvaise opération là sur la grille. Les Ferrari qui remontent avec tout ça. On n'a peu rien à faire. Attention, on n'a même pas assez d'essence ici. Sur Nono, sur Norris. Attention qu'il faut finir le tour. Ça va se remonter à 0-0. Ok, on peut juste peut-être cramer un peu les pneus. Voilà, ils sont déjà bien morts. Tant pis si on perd encore une place, j'ai envie de dire. Là, on est en positif. On va se mettre comme ça en équilibré. Du coup, Norris, c'est bon. Checkered flag, il était temps pour nos softs, là, clairement. Ça fait 5 et 13. C'est pas ouf, c'est un peu raté, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Quand même, 5e, ça fait quand même 4 points. Oui, c'est ça, 4 points. Alors que les Aston en prennent quand même attention. 13, c'est pas réel, l'air de rien. Ferrari n'en prend pas, tant mieux sur ce sprint. À nous de faire une belle remontada maintenant avec George. Mais c'est pas sûr, avec son moteur un peu pété gentiment. 60%, c'est pas ouf. Cette fin de saison, ils ont tous mis des moteurs neufs, certainement. Du coup, comment contrer ça? Ça, c'est pas possible. On va pas se faire avoir deux fois. Donc, on va faire une bonne vieille strat SMS avec même un undercut ici. Voilà, on va faire ça. Malheureusement, on a encore cramé un jeu de pneus soft. Ou alors on fait SMM peut-être. Ça peut être pas même peut-être finir fort. Quoique non, faudrait rentrer tôt. On va faire SMM, quitte à rentrer encore un poil plus tôt ici. Et là, on est tranquille. Comme ça, par exemple, on va finir fort en médium. On attaquera fort en médium. On va prendre cette strat-là. Et Lando aussi, je pense. On va qu'il y ait des meilleurs softs, non? Donc on va se faire une strat SMM aussi ici, voilà. On va rentrer bien plus tôt aussi pour pouvoir pousser.
Et comme ceci, voilà, ça me sort pas dégueu comme strat là tout de suite. À première vue, à voir ce que font les autres. On va pousser, déployer et sauvegarder comme d'hab. Est-ce que le jeu crash encore? Ça fait un moment qu'il n'a pas crash, tant mieux. Ils ont peut-être réglé les petits bugs là, les petits crash finalement. Troisième au départ pour Lando, intéressant apparemment. Non, est-ce qu'il est troisième? Oui, il est troisième. Ok, il y a peut-être des pénalités de grille, j'ai pas trop fait gaffe. Il y avait Sainz avec son ombrelle là. Course de référence pour Albon avec son Alpine peut-être. J'ai pas vu où ils sont classés finalement. C'est Alpine qui n'ont pas l'air tout à fait à l'aise ici à Sao Paulo. Ils sont quand même bien classés, ils sont au milieu de première partie de grille clairement. C'est pas rien. On va mettre tout de suite le battle assist et dire à Russell de dépasser. Gentiment, le moral est bon, ça va le faire, on y croit. Vas-y, mon champion. Donne tout. Norris est déjà repassé deuxième, GG à lui. Russell peut passer Perez, on dirait. Là, il en a les capacités, on dirait. Leclerc se fait lâcher, ça y est, il est passé. Est-ce qu'on va pouvoir passer les Alpines? Ça m'étonnerait. On est au coude à coude quand même avec Perez. Attention. Attention, attention. C'est Norris qui a des gros points à marquer. Là, clairement, deuxième, là, tout de suite. C'est pas déconnant. Russell est quand même passé Perez. Est-ce qu'il peut attaquer l'Alpine? Mettons x4 quand même, histoire d'avancer. Il s'est refait passer par Perez, malheureusement. L'ami George. Qu'est-ce qu'ils ont comme pneus les autres? Il y a beaucoup de médiums, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, là tout de suite. Devant, Sainz, il a des médiums, il faudrait peut-être le dépasser, monsieur Norris. Attention aux pneus quand même qui chauffent là, on va se mettre gentiment en agressif, il faut quand même les tenir un petit temps ces pneus. Du coup, Sainz en profite, il nous lâche pratiquement des RS activés, ça tombe bien, on en avait besoin là sur Norris, oui. Et Georges est plutôt embêté par ça, par le DRS activé. Là, pour le coup, il arrivera plus ou moins facilement à passer Perez, batterie RS vide. En plus, on va déjà se mettre en top-up. Norris. On va le laisser cramer encore un peu de RS. Ça y est, il est vide. Il est juste derrière ça. On peut peut-être le mettre en récup. Il le passe, j'ai la pression. Non, il le passe pas. Ils sont coude à coude. Là, ça nous est toujours devant. On va rester en top-up aussi. L'essence, on va pas y toucher là tout de suite. Est-ce qu'il a l'air en forme? Il a passé Albon. Est-ce que les Alpines seraient un peu dans le dur là en cette fin de saison? Si on peut dire dans le dur. Sainz dépasse Norris, oui, jusque-là, rien de neuf. On est toujours collé dessus. On est toujours dessus. On va en profiter pour récupérer tant qu'on est devant. Ça y est, il est repassé. On va se remettre en top-up du coup. Russell se fait un peu lâcher. En même temps, son moteur est explosé. Est-ce que Norris peut repasser là tout de suite avec son battle assist peut-être? C'est compliqué, il se rapproche en tout cas, il se rapproche peut-être ici. Ça a l'air de le faire. C'est chaud, on est au court coude à coude, peut-être à la prochaine zone. Verstappen arrive à suivre le rythme, Magnussen nous dépasse. Elles ont pris des pénalités de grille les Aston, c'était pas le moment pour elles. Tant mieux pour nous. Elles faisaient des gros points là, attention quand même à Ferrari du coup. Norris qui tient à la seconde au Red Bull, c'est intéressant ça. Russell qui a de la peine un peu plus. L'attention quand même aux pneus, il faut quand même les tenir un moment ou l'autre. Il faudra les tenir les gars. On a mis les Mercedes dans le vent, le trio de tête là. C'est Russell qui galère un peu plus là tout de suite à suivre le rythme de Gasly devant à la 7e place. Leclerc suit, ok. Il y en a qui dégringolent là, c'est Sainz. Ok, on va profiter. Non, je vais pas enlever le battle assist. Simplement récupérer ici. Tant mieux, Sainz qui nous offre des points peut-être là. Mais il en offre aussi malheureusement à Ferrari. Ça, c'est moins bon. On tenait bien le rythme. Est-ce qu'on peut se remettre en neutre peut-être au tour suivant pour Norris? Il est temps, j'ai envie de dire. Et on va se remettre en neutre parce que Verstappen, il attend que ça qu'on recharge là. On est tout bon en ERS. C'est bon sur lui. Et lui, ça, c'est bientôt bon. Le petit Russell qui a perdu pas mal de temps malheureusement dans l'aventure. Agressif du coup. Et le top-up est bon, on peut enfin lâcher l'affaire. Il faut revenir maintenant dans le rythme de Ocon. Ça devrait le faire pour Russell. Ça se passe et ça se repasse entre Norris et Verstappen. Très intéressant la course de Norris qui tient à tête. Drapeau rouge malheureusement.
Ah, peau rouge, qu'est-ce qu'on va mettre comme pneu là tout de suite? Est-ce qu'on peut voir là ce qu'on pourrait mettre des hard et finir en médium? Ça me semble le bon plan, on va faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Une Ferrari qui va à l'Alpine, tout le monde vole, tout le monde y passe, une Mercedes. Ça s'est arrêté derrière, Russell, ça a su s'arrêter, il s'est pas pris personne dans les fesses, ça va. La voiture n'est pas abîmée, normalement ils ont bien freiné. Drapeau rouge, tu m'étonnes, j'ai envie de dire avec ce crash là, ça fait gagner des places à Russell, ça a l'air de rien. On va confirmer le changement, on va mettre des hard là tout de suite. Et là aussi, j'espère que les autres vont pas faire de strat trop exotique. Il y a 3 qui sont out, dont une Ferrari, ça c'est tout bon. Par contre ça fait remonter les Aston, j'espère qu'on a choisi les bons pneus là clairement. Il a l'air qu'il y a du médium, il y a même du soft, intéressant. Norris, est-ce qu'il va pouvoir maintenir l'allure là? On va se mettre tout de suite en pause. Déployer, on a beaucoup trop d'essence. Attaque sur les deux. Attention quand même là. Ça va être chaud, on a toujours le battle assist, oui. Et là, oui aussi, parfait. Est-ce que Russell peut passer? On va regarder les pneus. Beaucoup de médium, l'air de rien. Est-ce qu'ils vont tenter une MM? Ça se peut ici, là tout de suite, on va voir ça, on va repartir. Redépart, là par contre, Verstappen, il risque de s'envoler. Il a quoi déjà? Des médiums, ouais, sur nos hard, ouais, on galère déjà, même sur Piastri, j'ai l'impression. Là tout de suite, il faudrait les maintenir derrière. Attention à la Ferrari, ça c'est pas bon si elle finit devant nous. C'est pas bon du tout, on est au coude à coude, mais en même temps, il a des médiums là sur sa Ferrari, c'est bon, on l'a maintenu derrière. Il faudrait tenir le rythme de Verstappen le plus longtemps possible. D'ailleurs, faut refaire une strat là tout de suite sur les deux. Ajouter, on va mettre comme si on ne poussait pas. Est-ce que des softs ça irait en fait? Non, j'ai l'impression qu'on va devoir tenir trop longtemps. Non, on n'a plus de soft en bon état. Autant rentrer pas trop tard en hard, genre ici, même ici. Et pousser un peu les médiums à la fin. On va faire pareil sur l'ami. Au tour 45, du coup, sur l'ami Lando, on est parti pour faire la même strat. Tour 45, on a dit, ça me semble bon plan. Oui, clairement, ça me semble plus opti, à voir si notre stratégie paye là tout de suite. Avant, quand il y avait un drapeau rouge sur FM Manager 22, ils mettaient quasiment tous d'office des hards dans la foulée. Là, ils ne font plus ça, clairement, ils font des strats exotiques. Norris qui a l'air de tenir, finalement, avec son bon moteur, peut-être. Il a l'air de tenir Verstappen, il faudrait le DRS là tout de suite pour l'aider. On a l'air de lâcher Perez, Verstappen qui donne le rythme, Norris qui tient, c'est pas mal, il y a peut-être la confiance, oui, assez élevée. Là ça va, est-ce qu'il est toujours en dépassement fort lui? Oui, toujours en dépassement fort, c'est peut-être pas le bon plan avec des hards, quoique il a l'air d'y arriver gentiment. Sachant qu'on a déjà plus trop de RS. Là, il doit y avoir le DRS activé, on va se rester comme ça avec Norris. Quoique il est devant, on va récupérer gentiment. Tant pis si Perez revient, j'ai envie de dire. On va récupérer tant qu'on peut. Alors, on va se mettre en agressif gentiment ici. Attention qu'on s'est fait passer. On va donc se remettre en top-up. Maintenant, on devrait avoir un petit avantage. Leur médium commence à s'user. Qu'est-ce qu'il a, Perez? Des médiums aussi. Attention qu'on a bien cramé nos hards là tout de même. On va rester en agressif un petit moment. On suit bien Verstappen. C'est parfait. Russell a passé une... Ça va, on suit le rythme là gentiment, j'ai envie de dire. On peut peut-être se mettre en top-up aussi ici. Bon, même standard, histoire de faire refroidir un peu les pneus. Ça a l'air de tenir. Perez qui galère à tenir le rythme de Verstappen. Nous, ça va encore, j'ai envie de dire. Ça va encore. Perez qui a perdu gentiment la seconde. Là, il va la perdre avec la bataille devant entre Verstappen et Norris. Okay, on a qu'à rester comme ça et attendre notre heure simplement. S'arrêter en bon moment, les pneus sont beaucoup trop chauds, oui j'ai mis en standard, pas de souci là-dessus. Tsunoda qui a perdu la seconde, c'est peut-être l'occasion de le passer pour Russell. On va l'aider, on va déployer. Vas-y Russell, essaye de les rattraper, Piastri, ce serait parfait, qu'est-ce qu'il dit? On signale un gros accident à nouveau, c'est De Vries, on va regarder ça. C'était le carnage, l'accident précédent là d'ailleurs. C'est une As avec une AlphaTauri. Ouais, ils sont allés se péter dessus là. Ouais. Drapeau jaune, certainement. Il n'y a pas de safety apparemment. On ne peut pas se passer. Ça y est, on peut se repasser.
Ah, Norris a perdu la seconde, malheureusement. On y est presque à la seconde. On va réagresser. Peut-être rattraper Verstappen. Il sort déjà tellement loin, on n'a pas la seconde. Ça peut, Perez en profite. C'est chaud de le tenir derrière. Verstappen n'est pas si loin, tant pis, on va attaquer les pneus. On a peu de RS là, par contre, on n'en a plus. Est-ce qu'on a passé Tsunoda? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Sur eux, Russell, on va le remettre en top-up, du coup, on va regarder ce qu'il fait. Il arrive à suivre Tsunoda, ça c'est pas mal. Faudrait le passer, là par contre c'est un peu gênant là, de ne pas passer une simple Williams. Voilà, c'est fait gentiment ici au freinage, on le tasse un peu sur le vibreur, c'est correct. C'est parti du jeu. On est en top-up, attention, une Aston Martin qui n'attend que ça derrière qu'on fasse une erreur. Avec la Red Bull, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Attends, tu l'as pas encore dépassé, hein, mon ami. Ne sois pas content trop vite. Ici intérieur, ça fait notre affaire. Là, ça va être extérieur. Il faudrait l'aider en fait avec du déploiement un petit peu et pas du top-up. Là-bas, on est derrière. Tu as été content trop vite. Comme je te disais, peut-être qu'ici on pourrait le repasser. Alors, on attend simplement notre heure derrière. On n'est pas si mal classé. De toute façon, on ne rattrapera pas Piastri. Là, on est en déploiement. On a récupéré Max dans la foulée. On va se remettre comme ça, simplement. Russell a fait passer Tsunoda. Parfait. Et Norris, qu'est-ce que ça dit? Tout un petit trait derrière nous, attention à Max, non ça va, il nous dépasse pas, nos pneus qui commencent à être meilleurs que leur hard là gentiment. Si on arrive à bien récupérer, on pourra peut-être s'échapper un moment ou l'autre, avant leur arrêt au stand si possible. Ok, on est pas mal là, on est pas mal du tout. Peut-être que Russell pourrait aussi récupérer là gentiment avec Tsunoda derrière lui. C'est pas très grave s'il se fait passer. Norris a l'air de gagner du temps. Il est pourtant en récup, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Attention à Albon qui revient. S'il reste une Alpine, c'est dangereux les Alpines cette année. Ok, Norris, on peut le remettre en neutre là. Clairement, il a assez rechargé. Russell, Piastri, non. Voilà, Verstappen nous a passé. Ça tombe bien, le reste est entièrement rechargé à ce moment-là. Attention, là on se fait passer par Magnussen. Un tour en récup, il nous a passé malheureusement. Faut pas perdre la seconde là par contre, l'ami. On va le mettre en top-up simplement. On a beaucoup trop d'essence, ça on peut pousser. Attention à Sainz aussi qui nous a dépassé avec Russell. On a même perdu la seconde, ça c'est pas bon. On va un peu se mettre en neutre. On a perdu la seconde bien comme il faut sur Russell. Dommage la course de Russell là pour le coup. Que ça dit les pneus des autres là, on va regarder ça. Ça commence à s'user gentiment leur médium là. Ils pourront jamais faire MS à mon avis. Clairement, ça tiendra jamais. Est-ce qu'ils vont repartir à nouveau en médium? Ça se peut. Ok, Russell est lâché, dommage. Il va peut-être revenir au rythme là quand leurs médiums seront usés. On va attendre notre heure gentiment avec Tsunoda. Ok, attention, Verstappen s'échappe à nouveau. Il attaque. Attention, faut pas le lâcher. Là, la minoris, faut pas le lâcher. Refaire l'effort, on va attaquer les pneus à nouveau, tant pis. Faut revenir à nouveau sur Verstappen, c'est compliqué, il a l'air de bien attaquer, même Perez nous a passé, là faudrait le repasser. On va le repasser à nouveau, on va pouvoir peut-être le récupérer dans la foulée, qui sait. Compliqué là d'attaquer, j'ai l'impression, ouais c'est compliqué. Perez qui fait l'effort ou pas sur Verstappen? Dommage, il y a peut-être une victoire à aller chercher, là ça sort tout de suite plus compliqué, peut-être si on le passe ici. On récupérera Verstappen. Perez qui va peut-être avoir le DRS, je sais pas. On va voir ça, il faut le repasser, l'ami Perez. Non, il a le DRS malheureusement. On va s'arrêter là du coup, on va se remettre en top-up simplement. Et Tsunoda, lui, il nous a lâché aussi là, Russell. Russell qui perd des points comme neige au soleil là. Compliqué pour Russell là tout de suite. Perez prend la tête, ça c'est pas bon pour nous, pour le classement constructeur, clairement, même si Leclerc est dehors. Russell est quand même encore dans les points. On va voir si notre strat de hard paye. Attention, l'essence là, on n'en a plus. Des masses, je voulais regarder pour la suite. Ça va être compliqué là tout à coup. Faut pas perdre la seconde, monsieur Norris. Est-ce que Stroll peut faire l'effort pour nous, peut-être? Ça serait pas mal. Allez, Stroll, fais un effort. Je sais pas, j'ai envie de dire Albon s'arrête. Tiens, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est quand qu'on s'arrête, nous? Pas du tout maintenant. On peut peut-être attaquer avec Norris avant de perdre la seconde aussi. On est en top-up en plus. On a perdu la seconde sur Stroll, malheureusement. Est-ce qu'on peut nous-mêmes refaire l'effort là avec des bons hards? Perez à la tête, malheureusement. Et Albon est bloqué. Non, c'est maintenant il a de la place pour dépasser. Compliqué là, compliqué. On va mettre en x8. Voyons si on revient avec Norris. Quand ils arrêteront au stand, il faudra attaquer à ce moment-là.
Sur les pneus surtout. Oui, c'était pas vraiment la seconde. Là, pour le coup, Sainz s'arrête. Ok, pourquoi pas. Parce que ce serait le moment de pousser Russell. Non, c'est trop tôt. C'est bien trop tôt. C'était les softs là qui se sont arrêtés. C'est trop tôt pour pousser. On est toujours à top up là. À top. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on a rechargé assez? En tout cas, j'ai pas l'impression. Ça recharge encore là sur Norris. Il perd un peu de temps avec tout ça. On va arrêter de recharger pour pas perdre trop de temps non plus. Au sol qui se crash. Qu'est-ce qui s'est passé? Virtuel safety car, j'espère. Le bloc moteur, ça a l'air d'aller à part la boîte de vitesse. Voiture retirée, malheureusement. Décidément, ça recommence. Crash test simulator là. Ouh. Va être compliqué de finir la saison avec ce bloc moteur et on a abîmé plein de pièces. J'espère que c'est pas nous qui prenons la pénalité. C'est Tsunoda ou c'est nous, je ne sais pas. Ça va être Austin là, tiens, ok. Qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'ils vont mettre des hards de tous là? C'est une safety ou c'est... On a vu ça, ça va, on a vu. On n'a pas besoin de le voir 50 fois. Virtuel safety, on va pas s'arrêter là. Ça ne sert à rien qu'ils s'arrêtent tous eux, c'est pas mon problème. Est-ce qu'ils iront au bout avec leurs pneus? C'est ça la question aussi. Tout le monde va bien. On espère bien que Russell va bien. On va pas déployer tout de suite. On va pas faire cette erreur, même si c'est la reprise. Verstappen, ils ont mis quoi? Des hards du coup. Et Stroll aussi. Ok, évidemment, ils ont mis des hards là sous safety. Ça m'étonne que Perez n'a pas fait pareil. Et puis il espère peut-être mettre des softs ou remettre des médiums comme nous. En tout cas. On a pas mal de retard sur lui. Allez, la reprise là. Oh là là, Russell. Après Norris au Grand Prix précédent, pardon, c'est Russell cette fois-ci. Ça y est, ça se termine la virtual safety. Je vais revenir sur Perez là tout de suite. Ça urge, monsieur. Norris, on va pousser à fond les pneus quelques tours. Espérons ne pas perdre trop de temps sur Verstappen et Stroll qui c'est déjà là. Il est déjà derrière nous. Il nous gratte du temps, il nous gratte du temps. C'est pas bon ça. On va devoir s'arrêter. Même tant pis si on n'a pas de safety nous pour s'arrêter. On revient, n'empêche, sur Perez. Ça c'est intéressant. On peut peut-être le passer. Ces médiums qui sont cramés, chez cramés. On gratte du temps quand même sur la Ferrari. C'est important, ça a l'air de rien. Il va devoir s'arrêter un moment ou l'autre. Ça y est, on l'a passé. Il risque de s'arrêter. On est dans notre fenêtre d'Eston là. Est-ce qu'on s'arrête? Accident à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Tour le plus rapide, Sainz, ok, why not? Qu'est-ce qui se passe là? C'est une safety ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On regardait l'accident. Mick Schumacher. Ah, ouais. C'était léger quand même, c'était léger. Il y a des débris, mais c'était léger. Ok, pas de safety. On va essayer de gratter du temps comme ça. Ça y est, c'est notre tour optimal. Est-ce qu'on s'arrête là pour mettre un undercut à Perez? Est-ce qu'il va mettre des softs à la fin? Lui, qu'est-ce qu'il nous fait avec ses pneus? Il va vraiment au bout. Non, lui, il va s'arrêter là tout de suite. Et faire comme nous, on va s'arrêter. On va couvrir ça. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, je ne sais pas. On verra ça. Et dans la foulée, on va pousser. Est-ce qu'il s'arrête? Non, il ne s'arrête pas. Perez, là, il va perdre un temps fou. Et on sort loin quand même, malheureusement. Attention quand même à pas faire aller trop vite. On va essayer de gratter du temps. Ça y s'arrête, monsieur Perez. On va déployer tout de suite. Normalement, on ressort devant. Attention avec la voie d'Eston, des spéciales ici. Ça va, on ressort largement devant. Il faut aller au bout des pneus. Attention à pas les faire trop chauffer. Est-ce qu'on peut revenir sur Sainz et ses hards de crappy? Même peut-être Albon. On n'est pas si loin de tout ça, honnêtement. On n'est pas loin, on s'est peut-être arrêté au bon tour vis-à-vis de Perez et sa Ferrari, ça c'est intéressant. Iwasa qui est entre nous aussi. Par contre, il va s'arrêter lui avec ses hards et comme Bottas. Il reste pas grand monde finalement. Avec tous ces crashs. Allez, Norris, faut pas se laisser bloquer là derrière le Sainz là. Et c'est bon, RS est désactivé. Ok, pas de souci. On va remettre en neutre. Il faut aller chercher Albon maintenant. Clairement, c'est l'objectif. Il faut lâcher Sainz et aller rechercher Albon. Perez arrive aussi. Il a mis des médiums, certainement. Oui, il a mis des médiums. Ça va, il ne devrait pas nous rattraper. On a gratté du temps là où il fallait. Maintenant, on peut aller chercher Albon. Clairement, même en standard, ça me sort bon. Histoire de refroidir les pneus. Attention à l'essence. On va regarder un peu pour dépasser Albon. On reviendra à sa hauteur, on devrait finir sur le podium normalement là tout de suite. Attention, on emmène Sainz, mais c'est pas trop gênant. Ces hards sont un peu crappy. On va même se mettre en top up là vite fait. On devrait revenir quand même sur Albon, même en top up.
Attention que ça ne nous dépasse pas au mauvais moment, par contre, quand même. Allez, il faut revenir sur Albon, là, monsieur Lando. Il reste 20 tours, il reste 20 tours, on est bon dans les pneus. Allez, il faut revenir, on a dit. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il fait des erreurs, là, Norris? Pourquoi il revient pas sur Albon? Ça, c'est pas normal. Pourquoi il nous gratte du temps, Albon? Il est mis en mode attaque, là, tous les coups. Il va donner tout son jus, tant mieux. On pourra revenir après. Normalement, on devrait revenir, même si les Alpines sont bonnes. Est-ce qu'on est abîmé, là, sur Norris? Non, on n'est pas abîmé. Je comprends pas, même Sainz nous dépasse là, c'est pas bon tout ça. Est-ce que Sainz peut revenir lui sur Albon? Attention à Perez du coup avec tout ça. Sainz a l'air de mieux revenir que nous sur Albon. C'est pas normal ça, monsieur Lando. C'est clairement pas normal. On va un peu agresser les pneus là tout de suite. Ça y est, on a redépassé Sainz. C'est peut-être le moment de faire l'effort jusqu'à Albon. On va essayer de lâcher Sainz dans la foulée. Ça m'a l'air possible là, de revenir, il reste 15 tours, attention quand même à pas trop cramer les pneus, ça y en est derrière, ça va être plus facile là pour le coup, on va se mettre en récup du coup, Sainz est plus ou moins lâché, normalement en récup on devrait tenir derrière, on va récupérer à fond et attaquer à la fin, attention les pneus qui chauffent, on a relâché Albon malheureusement, décidément il nous met en galère cet Albon, on va un peu pousser sur l'essence, Sainz nous a dépassé, qu'est-ce qui s'est passé là, je comprends pas, on voit pas ce qui se passe avec notre voiture là. Sainz qui passe Albon, lui, par contre. On va récupérer. Ça y est, on a récupéré. Qu'est-ce que ça dit, leurs pneus? Ils sont pourtant assez crappy, là, pour des hard. On va se mettre en dépassement fort, là. Essayer de passer tout ce petit monde, là, tout de suite en full attaque. Tant pis, full déploiement. Allez, Sainz et Albon, il faut les passer, monsieur Lando. Il faut les passer, quitte à tout donner. Ça y est, on en a passé un. Peut-être passer le deuxième. Ça y est, il faudrait les lâcher, maintenant. Attention à l'essor, c'est ça le plus important, il faudrait les lâcher, ça y est on a pris la seconde, enfin j'ai envie de dire, on n'a plus de RS par contre, on va se mettre en neutre, les pneus il faut que ça tienne, Perez qui revient dans le DRS de tout ça, on va se mettre en standard, oui en agressif il me le dit, les pneus sont beaucoup trop chauds, ça on leur a mis 2 secondes à 6 tours de l'arrivée, ça devrait le faire, on va se mettre en standard, et un peu pousser l'essence, faut pas avoir trop d'essence à la fin. Il devrait pas revenir, attention quand même à Perez s'il gratte des places là. Le classement constructeur, c'est Stroll qui m'embête un peu là. Attention à l'essence quand même. Ok, virtual safety, tant mieux, ça va économiser tout ça. On peut se préparer à repousser dans la foulée. Si on finit sous virtuel là, ça me va avec ces classements là, clairement. Ça me va bien. Accident de worst tour, encore un de plus j'ai envie de dire. C'est Russell qui prend la pénalité là en plus. On n'avait pas vu ça. Les écarts sont gelés, il reste 3 tours. Fait de la voiture, c'est de sécurité. Ok, on va pouvoir pousser les pneus qui sont bien refroidis. On a bien assez d'essence. Je vois Perez. Perez gratte la 5ème place, malheureusement. Ouais, ça va rester comme ça. Dernier tour, on va rester comme ça. Attention, pas prendre trop de risques non plus. On a assez d'avance. Neutre ici, de toute façon, on n'a plus rien. Voilà, ça va se terminer comme ça. J'espère que Norris se crache pas là tout seul. Non, ça va, beau podium de Norris. Lance Troll, oui, bien joué à lui, bien joué à Aston, beau week-end d'Aston là, malgré, où est-ce qu'il est le deuxième, dixième Magnussen, ok, il gratte pas encore trop de poids sur nous là, ça devrait le faire, on est quand même devant les Ferrari, ça c'est tout bon, donc classement constructeur du coup, peut-être même que les Aston repassent devant Ferrari, ça fait nos affaires d'un côté, qu'est-ce que ça donne, Lance Troll regratte la place de Lando qui était cinquième, tiens, ok, il prend 25 points, c'est assez énorme. On est quand même bien classé là, clairement. C'est vrai que nos deux pilotes, heureusement qu'on a deux cracks, j'ai envie de dire. On prend 15 points. Ouais, attention quand même à la remontada d'Aston. Là, ça fait un peu peur, l'air de rien. Ça y est, il y a enfin notre période ATR qui est arrivée. On va pouvoir finir tout ça. On va le faire tout de suite ensemble. J'espère qu'on a assez d'argent, par contre. Oui, normalement, oui. On a gagné quelques objectifs de sponsor. Encore un point pour Crawford. Génial. Bravo à lui. Il est encore jeune. Ça, c'est cool. Résultat de l'inspection des pièces. Qu'est-ce que ça dit? Ça fait un peu peur, là. La voiture 1. Bloc moteur. Ça a l'air d'aller vite fait. Il n'a pas trop pris peut-être la boîte de vitesse un petit peu. Ouais, il nous reste juste une boîte pour chaque grand prix. Ok. Et les pièces ici. Pièces aéro. Ah oui, il a mangé. On va installer ça, tant pis, au pire on finira avec les numéros 2, ça aussi, on nous en reste, tant qu'il en reste on lui met, là c'est le dernier le rond arrière je crois, non il en reste un après, suspension,
Ça, c'est les dernières. Non, non plus. On va faire tout de suite un inventaire, entrepôt. Ça va, il nous reste un peu de tout pour finir la saison. Là, c'est correct. Il reste deux grands prix, donc on est confiant, ça va le faire. Il y a bel et bien, oui, la période ATR. On va sauvegarder ici tout de suite. Parce que c'est ce qu'on attendait finalement, la période ATR, là, clairement. Avec impatience, on en est où du plafond des dépenses? Ça a encore fait peur, mais ça va, 18 millions. Il y a moyen de bien faire les choses, là, clairement. Peut-être développement de pièces, conception et recherche. Recherche, évidemment, ne te trompe pas, Benito. Est-ce qu'on met un peu d'heure encore dans les suspensions? Alors, si je fais ça, il faut mettre 1,8. Et si je mettais 1,6 là dans chaque, et disons 21 heures, ça me semble un bon compromis. 1,6 et 21 heures. Et refaire des suspensions pour essayer de combler le gap. Position sur la grille, voyons, on est en train de prendre un gros écart avec les premiers, c'est pas grave, on verra ça l'an prochain. Ça peut être monté ici gentiment. Refroidissement du moteur, on est quand même à la traîne, on va prendre un gros up là-dessus. Sur le châssis, ça semble le bon endroit. Et débit d'air milieu, faudrait monter aussi. On peut monter comme ça gentiment le châssis, ça me semble pas déconnant. On va mettre du coup, ça prend 28 jours, ça amène le 24 novembre. On pourra refaire ouais, 700 000, ça me va. Parfait, recherche à nouveau. On va faire un peu plus gros aileron arrière. On va mettre 1,7 et 22 heures. 1,7 et 22 heures parce que l'aileron arrière c'est quand même une pièce très très importante si vous demandez. Réduction traînée, on va le mettre assez haut aussi. 8% ça me semble bien. Delta DRS, autant prendre un max aussi. Ici ça ne bouge plus. Faible vitesse, c'est pas là où on est le plus à la ramasse, c'est plutôt en vitesse moyenne qu'on va gentiment mettre ici. Et ça, ici aussi, voilà, ça me sort bon. Sensibilité du débit d'air, tolérance de retir, on va le faire monter quand même un peu. On va faire un gros gros aileron arrière. C'est avec des sorbes, deux des sorbres. On verra bien pour nos ingénieurs dans la foulée commencer le projet. Et là, une dernière, enfin une avant-dernière, aileron avant du coup qui nous manque. On va mettre aussi. 1,6 ici, restera 0,5 pour des petites suspensions, des toutes petites suspensions. 21 h, ouais, on va partir comme ça. Qu'est-ce que ça dit ici? Faible vitesse, on a dit que c'était pas là où on pêchait le plus, c'est en vitesse moyenne. On va essayer de rattraper l'écart du coup. Grande vitesse, j'ai quand même envie d'être assez bien. Refroidissement des freins, il faudrait monter assez haut aussi. Sensibilité du débit d'air, on va pas le mettre trop. Et débit d'air avant non plus, juste ici, peut-être même là. Qu'est-ce que ça dit le reste si je fais ça? Ok, on va rester comme ça me semble une bonne pièce. Alors il nous reste combien d'ingénieurs? 38 jours, 4 décembre, c'est un peu pareil. Ça coûte un peu là quand même tout de suite. On va essayer quand même de faire une autre suspension. Hop. Et hop, ça c'est bon. Alors soit on fait encore des recherches pour l'année prochaine, soit. On achète un bloc moteur à Gasly, qu'est-ce que je raconte, à Russell pour finir cette saison-ci. Il y a quand même la troisième place qui est hors jeu. Réduction traînée, j'aime bien de mettre ça assez haut, genre ici. Faible vitesse, toujours ici, ça toujours à fond. On va faire toutes nos pièces un peu similaires. Refroidissement, des freins, on va aussi essayer de le monter assez bien. Et débit d'air avant, ça c'est peut-être un peu moins important. On peut le mettre ici, même là, c'est pas gênant. Ouais, ici ça me sort bien. On va mettre le reste d'ingénieur 2, 3 décembre, parfait. On en est où là du plafond des dépenses avec tout ça? C'est ça qui va être important. Par contre, la soufflerie, on va pas pouvoir la mettre en état de sitôt, je vous le dis. Il reste 13 millions. Il y a peut-être moyen de faire encore des recherches et de payer un moteur gentiment. Ah, et peut-être même une petite boîte de vitesse à notre ami Georges. Là, on a plutôt bien géré le plafond des dépenses cette année. On est assez fiers. On verra ça à la vidéo suivante au Grand Prix de Las Vegas. N'hésitez pas à suivre la chaîne et le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivre la chaîne pour ne pas rater justement la prochaine vidéo Las Vegas. La fête saison, il y aura ensuite Abu Dhabi. Et enfin, la révélation de notre monoplace 2025, 2026, même rien que ça, de la saison 4 du coup de ce F1 Manager 2023. On a plutôt bien réussi, on sauvegarde tout ça. On est tout bon. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et bon goûter à ceux qui sont sur le live. Ciao, ciao.